Salut à tous les amis, ici Fanta, une nouvelle mise à jour qui fout le bordel, plus connu sous le nom de Fanta, mais je ne vous ai pas abandonné, regardez-moi bien, ici la version 0.15.12.80 est disponible, mais dans des réglages que tu peux faire sur Steam, je joue actuellement dans une version alpha. Par contre, ça va être, je n'ai le choix qu'avec une seule alpha, donc je n'aurai pas la mise à jour drogue et je n'aurai pas les tutoriels. Si aujourd'hui vous voulez vous mettre à Rimworld, a priori la dernière version qui vient de sortir permet d'avoir un tutoriel. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. En attendant, moi, je continue RimWorld et je continue ma partie. Cependant, je ne vais pas pouvoir lire vos commentaires. Vous savez, je vais partir très prochainement en vacances, à peu près dans 10 jours. Je suis en train d'anticiper et d'essayer de faire quasiment 15 jours de contenu d'avance. Je ne sais pas si vous imaginez avec le rythme qu'on a ce que ça représente. Toujours est-il que on va mouiller. Est toujours là et Fanta est toujours pas mort. Ce qu'il y a, c'est que Fanta ne va plus lire vos commentaires. Voilà. Et donc c'est parti mon kiki, je vérifie ici qu'on est bien comme il faut, on va aller dans la structure, je vais faire un mur en calcite et on va le mettre en plein milieu ici, s'assurer que dans la zone on aura bien le mur dont on a besoin, structure, zone, on est bien en expand, ok le mur, bon il va me fabriquer ça au fur et à mesure, tu vas aussi y rajouter une petite porte. Je ne sais pas si ça se trouve, je serais mort avant mon... Non, pas ici. Avant mon retour en vacances. Hein. Avant mon retour de vacances, on sera peut-être complètement mort. Tandis qu'ici, c'est en panne. On pourrait le désactiver le temps que un d'entre eux le répare. Glenn est toujours... Oh putain, Glenn, on aurait pu aller le chercher. Trainpat, est-ce que tu pourrais secourir... Ah putain, on n'a plus de... On n'a plus de lit... De lit de type prisonnier, tu vois. On va le mettre en prisonnier, celui-là. Et tu vas me le choper, quoi. Pas droit au Manu, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il va falloir le nettoyer, le soigner, ce petit gars-là. Qui est mort dans sa chiasse, ici, on a des flingues. Le nettoyage est un gros souci, hein, vous savez, dans notre partie. Ici, au niveau bouffe, on est full. Et on est ici, en extérieur. Parce que, voilà, l'humeur massacrante, c'est Aslan qui n'est pas content. Pourquoi? Parce que son frère est mort. Bon. tu vas t'y faire? Tu vas t'y faire. Je vais, dans mes restrictions, arrêter de mettre un... Faire ce que tu veux. Mais je vais les forcer à faire au moins 3 heures de loisirs. Parce que sinon, ça n'ira pas. Ça n'ira pas, ils seront jamais bien. Ok. Je m'assure que tout le monde a un lit, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que les lits ont été affectés? Définir. Définir. Alors, traîne patte. Définir. Retirer. Ok, on va le soigner. Lui, j'espère qu'il est pas trop en mauvais état. Sinon, on sera obligé de vendre son corps. C'est bien calcitique. Et alors, hop, santé. Santé, santé, il s'est fait mordre par un labrador, une infection importante non traitée, il est quasiment mort, hein. Il est quasiment mort le pépère, est-ce qu'on pourrait pas te mettre en même temps dans un lit médical, ouais, ça pourrait éventuellement te faire du bien, mais je crois que ton infection c'est un petit peu foutu mon petit gars, on va essayer quand même de le recruter, et puis... A priori, l'autre a bien envie de te soigner, donc c'est pas trop gênant. Et tes aptitudes sont pourtant correctes. Main verte, oh putain. Et un cogneur, effectivement. Quelqu'un qui fait de la mêlée. Les arbres ont-ils poussé? Non, et c'est pas près d'arriver. Alors, on m'a dit que les components étaient sur ma map quelque part et que c'était probablement ça. C'est ce que t'appelles les components ou celui-là? Minerai d'argent. Il y a un mec qui m'a dit c'est ça, et en fait, a priori, ça n'est pas ça. Hein. Ce que tu m'as montré, c'est du métal compacté, mon grand. Je vérifie. Argent. Voilà, effectivement. Machinerie compactée, tu avais raison. Tu avais raison, tu avais raison. Merci pour le petit... La petite astuce. Ok, pour les compacter. Je regarde s'il y en a d'autres. Peut-être je vais le rater. Je vous dis, malheureusement, je ne pourrai pas lire vos commentaires pour la suite de l'aventure. C'est fini, ça. C'est fini, le bon temps. J'en ai plus rien à foutre de ce que vous me racontez. Rien du tout, les amis. Ok, est-ce que ici tu nous fais un toit ou pas? Quand tu auras fini de poser la porte, pas droit. Ce serait bien que tu le fabriques, ce toit.
J'espère que tu vas le faire. Hein. Non, je pète la gueule, moi. Un petit chien qui vient bouffer de la viande crue, y a pas de souci. Ici, la porte en ardoise, ça n'arrivera jamais. Hein. On est bien au courant et on sait pourquoi. Puisque on n'a plus d'ardoise, on n'en creuse plus. Ok, on va laisser mettre un toit là-dessus parce que j'ai fait une erreur. Si vous avez bien regardé le précédent épisode, j'ai ouvert ici avant qu'on ait bien recouvert ce bordel. Et ça a été une catastrophe au niveau de tout ce qui était viande. Je n'ai pas de psychopathe dans la bande. Ici, les... Ouais, mais c'est pareil, ça. Je ne les veux pas en ardoise, les murs. Du coup, tout le monde pense qu'il est dans la prison. Voilà. Ah, c'est pas la prison, ici. C'est pas la cellule de prison de Buffy. Pas du tout. Pas du tout, du tout. L'humeur massacrante, je vais pas pouvoir y faire grand-chose pour le moment. Je ne peux pas fabriquer de bière encore, même si j'ai du houblon. Et au niveau du stuff, bah, les choses vont se ramasser un petit peu toutes seules. Bien sûr, il aurait fallu que, à la place de mettre nettoyeur en priorité pour tout le monde, je mette transporteur en priorité pour tout le monde. Sinon, on n'en sortira pas. Ça... Allez, on le met à égalité. C'est rare. Et on accélère un petit peu. On accélère un petit peu. Vous avez le droit de vous détendre, les amis. Et n'empêche qu'on aura bien survécu hein, pour le moment. Donc quand vous voulez, hein, vous faites la petite cellule de prison. Qui c'est qui creuse? Attention, on va doucement. Qui est de mauvaise humeur? Pas droit? C'est quoi? C'est moche ici? Ouais, bah, mais c'est normal, t'as qu'à nettoyer. Fus. Ok. Ok, ok, on va aller dans le sol. On pourrait aplanir le sol de sa chambre. Moi ça me dérange pas, ça va déjà améliorer grandement la chose. Et il nous faut une zone de stockage, je pense, un petit peu plus grande. Notamment pour les pierres. Pour les pierres. Parce qu'en fait, toutes ces pierres-là, toutes ces caillasses, bah, elles sont pas prêtes à être nettoyées. Mais bon, n'empêche que jusque-là, ça creuse, hein, ça creuse. Et tandis que je continue d'ignorer... ceux qui insistent pour que je ne fasse pas ma maison dans la montagne. Non, je fais ce que je veux et je me fous des aliens. Pour moi, ce n'est pas un problème. On a bien d'autres chats à fouetter. Trainpat est armé, Tamboul est armé. Ouais, mais Tamboul est armé de la merde, aptitude. Tu pourras aller chercher ça, quoi. Je m'en fous, quoi. Tu t'équipes. C'est mieux que rien. Hop, tandis que Aslan est armé d'un fusil. Manu dort, on va rien faire. Et lui, pareil, il est plus fort en mêlée, on va laisser... Attention, capsule de sauvetage. Oh, une gonzesse. Déshabillé là, ah, je conne. Aslan, tu pourrais la secourir s'il te plaît, merci. Ou Tamboul. Merci. Ok, aucun lit réservé aux colons n'est disponible. Si aucun lit réservé aux colons n'est disponible, ben on va en rendre indisponible si tu veux bien. On va définir que il n'y a pas de propriétaire. Ça te va? Et on va en faire un petit lit d'hôpital. Ça te va? Allez, sauve-moi cette personne qui, j'espère, est extrêmement compétente. Encore faudrait-il que je retrouve où elle est. Où es-tu, Samantha? Ah, petite Samantha, viens ici, c'est Tamboul, ton sauveur. Très bien. Très bien, très bien. Attention, maladie grave pour notre ami Glenn. On va être obligé de procéder à... Ce qu'il y a, c'est que Trempat s'est pas trop remis des opérations du cerveau. Ah si. Trempat, aptitude, médecin, ça te dirait de ne pas soigner ce type au niveau santé. Attends. Ah si, il a une infection extrême, il va crever. Progression de l'immunité 63%, il va peut-être pas crever. Donc on va peut-être le soigner. Ok. Super. Bon, bah écoute, pour l'instant, moi, je suis plutôt content. Maladie grave, ok. Et les visiteurs, on va se rendre sur les lieux. Tandis que notre ami Aslan, qui... On va aller commercer avec tout ça. On va voir si on pourrait pas vendre notre Glenn, là, avant qu'il crève. T'en es où, Glenn? Parce qu'en plus, tu me prends un lit. Aptitude, il tire correctement. Non, il tire pas. Par contre, il est très bon en mêlée. Par contre, il est bon en minage aussi. Et plutôt diplomate. Oh.
Alors, qu'est-ce qu'on peut vendre? Nous, on n'a pas grand-chose non plus de notre de chez nous. On pourrait leur acheter quoi? Massue, 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 pomme de terre. On pourrait leur vendre un paquet de pommes de terre. Regarde la quantité que j'ai. Combien ça me rapporte de vendre tout ça? C'est tout? Oh putain. Je garde. C'est pour me donner que 9. Lance dorée, viande de dromadaire, viande. Sérieusement, j'aurais pu vendre un petit peu de patates, quoi. Parce qu'en fait, on en a un bon stock. Allez. Non, non, surtout pas les components. J'accepte. On a vendu des patates. Voilà, ça nous fait un petit peu de place. Regardez, on a quand même un gros stock. Sans compter ce qui traîne dehors. Et qui est pas prêt de pourrir. Voilà. C'est le bordel chez moi. C'est le bordel. C'est tellement le bordel. Ok, très bien. Bon, jusque-là, tout va bien. Au niveau animaux, on en a perdu ou pas? On a perdu un petit labrador. Dis donc, t'as appris à faire des choses, toi, on dirait. Elle s'est bientôt transportée. Oh putain, la ramasseuse de patates. Très, très, très prochainement. Alors, on va les apprendre à attaquer, ces chiens, éventuellement, tu vois. Puisqu'on a quand même Tamboul qui s'occupe bien d'eux. Samantha qui, en cours de soins, on va aller dans les besoins santé. On pourrait lui donner des trucs un peu moins costauds, s'il te plaît. Et Samantha, c'est quoi tes aptitudes, du coup? Putain, waouh. Par contre, attention gourmande, elle va en bouffer des patates. Par contre, très bonne en artisanat. Et moi, je dis pas mal. Et Buffy, toi, ça va? Quand c'est que tu acceptes? Niveau de du recrutement, on en est où? 50%, une chance sur deux de recrutement. On va pas tarder à recruter Buffy, ce qui est plutôt cool. Du coup, on pourrait ouvrir la porte ici quand même. Et que notre ami là pourrait. Ah, il nous manque des murs de quoi? On n'a plus de calcite? Oh merde! On n'a plus de mur! Qui peut nous faire des. Train patch, je crois que tu es tailleur de pierre, s'il te plaît. Donc vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Et ici, est-ce qu'on pourrait mettre des pierres? Il y en a, hein. Gravat ardoise, ardoise, ardoise. Ok. Donc du coup, on s'en fout un peu du nettoyage ou quoi? Qui serait un bon transporteur? 3, 3. Non, il faut plus de transporteurs. Pas droit, il peut pas. Lui, voilà, il va passer là. Et on va faire du rangement. Ici, est-ce que c'est passé en intérieur ou pas? Intérieur à ciel ouvert. Oh, fuck, 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 les mecs. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous me fabriquiez la toiture? Merci de m'en mettre une, quoi. J'avais pas ce problème avant de pour les toits, quoi. Avant, tu faisais le toit et puis c'était réglé quoi. Enfin, tu faisais les murs et c'était fini. Est-ce que c'est parce que les murs ne sont pas de la même qualité? Allez. Assis pas droit et bosse dessus. Ah bah putain, c'est pas trop tôt, mon coco. C'est pas trop tôt, allez. Vas-y, je crois que nous sommes bien dans une pièce intérieure. 13 degrés, et bah super. Nous allons détruire ce mur. Et dans lequel nous allons. Est-ce qu'on détruit le mur et on met une ventilation? Oui ou non? On va tenter. Mais je pense que ça va coûter trop cher en électricité. Je pense que ça va coûter trop cher en électricité. Bon, on va tenter. Énergie, température, ventilation. Le problème, c'est que voilà, on peut avoir une clim qui va gérer les deux pièces. Attention. Bon, jusque-là, tout va bien. Tout le monde a l'air relativement content. Tandis que toi, tu n'as pas de pierre pour train patch. Je sais pas ce que tu veux faire, mais par contre, tu pourrais nous faire des tailles de pierre, s'il te plaît. Est-ce que les tâches sont toujours. Oui. On va aller dans les détails, on va s'assurer que dans le rayon de recherche. Non, bah non, tu peux aller chercher loin si tu veux, il n'y a pas de problème. Tu prends toutes les pierres du monde. Traîne pas, s'il te plaît. On a besoin de murs. Oh putain, animaux fous! Va de psychique! Ah, les dromadaires. Oh merde, les dromadaires sont fous. Les dromadaires sont fous, les amis. Je vais faire un save scum.
Parce que ça craint du boudin. On va devoir les réceptionner, ces petits pépères. Alors, recrute fail. Oh, putain, tu mérites la mort, toi. Tu mérites tellement la mort. Alors, vous, les mecs, toi, je vais te recruter. Je vais te mettre ici. Tandis que vous, les copains, on va vous recruter et on va vous mettre ici. Donc là, j'ai tout le monde. Il me manque juste Tamboul qui va se mettre ici. Tout le monde est avec un flingue. Ils sont où? Ils sont où? On va se mettre là. Allez. Moi, j'aime bien l'idée là. J'aime bien l'idée. Lâcher les animaux éventuellement. On s'en fout si on en perd. Merci. Allez, butez-moi ça. Super. Alors, Tamboul, mets-toi là parce que je sens bien le coup qui va mal partir. Non, ne lâche pas les animaux. On va les tuer. Oh, fuck. J'ai oublié. Très bien. Alors, Trenpat, va me finir ce dromadaire, s'il te plaît. Toi aussi, on va tous les finir. On va les finir. Et si quelqu'un peut ensuite aller soigner le chien, ça serait génial. On va ramasser les corps, ça va nous faire de la viande. Clac, clac. Trenpat, est-ce que tu peux t'occuper? Merci de démanteler ça en priorité. Et on va ramasser les corps, donc ce que je disais. Clac. Ok. Clac. Et on va démobiliser tout le monde. Tandis que Manu, tu pourrais t'occuper d'un des chiens, je crois qu'il est blessé. T'es blessé vraiment ou pas? Perte de sang. On va faire en sorte que nos animaux soient soignés. Parce que sinon, c'est pas cool. Je crois qu'il y a un animal qui ne peut pas être soigné. Macbeth social, besoin de santé, soins. Soins autorisés, s'il te plaît. Merci. Ok, bah écoute, c'est plutôt good. Ici, est-ce que ça veut bien pousser? Alors pour le houblon, on va arrêter. On va continuer à mettre de la racine de vie. Ouais, on les coupe, on s'en fout. Houblon, racine de vie. Voilà, parce qu'on a à manger, il faut vraiment des soins à gogo. On en a trois ici, ça va très 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 vite. Très bien, tandis qu'ici, on en a encore d'autres. Alors pareil, la porte en calcite, c'est fini. Tant que Trainpat ne fait pas de l'artisanat à plein temps, on est dans la merde. Pour cela aussi, il faudrait qu'on lui apporte des matières premières. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait des gens qui ramassent. Qui ramassent, ramassent. Alors, pas droit constructeur, si tu pourrais. Manu. Manu est mineur. Là, t'as plus rien à miner, Manu. Donc vas-y. Vas-y, tu fonces. On accélère un petit peu et on s'en est pas mal bien sorti avec ces animaux qu'on aurait pu ramasser. Si Trenpat avait bien fait son travail, Aslan qui dort, bien sûr. Trenpat. Fuck. Trenpat ne ramasse rien. Samantha! Samantha est parmi nous. Samantha, quoi, n'est pas recrutée? C'est quoi, c'est une réfugiée? Mais il faut recruter Samantha. Aptitude. Matériel. Ah, je croyais qu'elle était avec nous, en fait, mais pas du tout. On aurait pu. Ouais, je sais pas ce qu'elle fait, Samantha. Bon, on va la laisser tranquille. Trenpat, tu peux pas ramasser. Merci. Le transport de dromadaire. Avant qu'il pourrisse, quand même. On va accélérer un petit peu. Merci. Tu vas faire pareil là. Manu, tu vas faire pareil pour celui-là. Avant qu'il crève. Pourrira dans 2 jours. Ça se passe bien. Et là, du coup, la clim. On est à combien à l'intérieur? 7 degrés. On va diminuer la clim nécessaire. Je pense qu'on va se contenter d'une porte. Sinon, ça va pas marcher. Structure. Est-ce qu'on en a assez? De quoi on a acheté? Hop, pas assez, pas assez, pas assez. Bloc d'ardoise. Pas assez, putain. On n'a pas assez. On n'a pas assez. Oh fuck. On est dans la merde, on n'a plus de pierre les mecs.
On a plein de pierres ici. Pourquoi tu les prends pas, Manu? Merci. Ah putain, c'est à moi de dire de les prendre. S'il vous plaît, les mecs. S'il vous plaît, enlevez ces pierres. Enlevez-les. Donnez de la matière première à notre ami Padroit. Qu'est-ce qu'il va faire sinon? Ah là là. Ok, très bien. Transporté prioritaire. Ok, là on va avoir quand même une petite arrivée. Pareil également ici. On va transporter ce bordel. Et on va accélérer un petit peu. Petite sauvegarde. Humeur massacrante, c'est normal. C'est normal, sauvegarder. Allez, c'est parti. Faudrait vraiment que Trainpat s'occupe prioritairement non plus de faire la cuisine, puisqu'on a quand même de quoi. Combien on a de. Ah non, on n'a pas beaucoup de repas. On n'a vraiment pas beaucoup de repas. Allez, vas-y! Putain, recrute Buffy, il nous faut de la main-d'œuvre. Il nous faut de la main-d'œuvre. Putain. Enfoiré. Enfoiré, enfoiré, enfoiré. Bah, c'est bien d'être allé chercher le dernier dromadaire que j'avais pas vu. Pareil ici. Non, on va pas le détruire. Il nous faut le truc pour transformer le bordel. Dans les zones. Alors ici, niveau température, on est à moins 15 et ici à 6 degrés. Bah, dis donc, c'est plutôt efficace, j'ai envie de dire. Est-ce que une petite énergie, température, est-ce que la petite ventilation peut faire la. Putain. Il y a quelqu'un qui peut me fabriquer ce que je lui ai demandé de fabriquer il y a très 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 longtemps? Merci. Allez, vas-y, fais-le. Et on va voir si la température se refroidit ici. On est à moins 3, moins 4. Mais c'est cool. C'est cool. Du coup, ici, ça pourrait très bien être également une zone de nourriture, zone de stockage, nourriture essentiellement, dans laquelle on ne met rien. Tout effacé, à part des aliments. Et des aliments, tous, hein, y compris la viande humaine, ça me dérange pas. Est-ce qu'on met des cadavres? Oui, mais que d'animaux. Super! Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Très bien, ils sont en train de nettoyer. Est-ce qu'on aura un train de pâte qui est décidé à faire plus. Voilà, on va le mettre un petit peu en secondaire pour la cuisine, parce que je vois qu'il est motivé. J'aurais bien fait un accès direct. Pour la cuisine, tu vois. Bon, en même temps, il n'a pas énormément de chemin à faire. C'est vrai que c'est. Traîne patte, traîne patte. Tu es mignon. Mais non. Merci. Mignon. Mignon, 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 mignon. Gros, gros, gros. Ok, architecte, structure. On va aller un mur, du coup, en ardoise, puisque c'est le mur dont on a. Très bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Putain, depuis le temps qu'on vit dans le truc à. Allez, vas-y, reste là-dedans, toi. Oh putain, pas droit. Pas droit qui fait la recherche quand on lui demande de nettoyer. Tu peux pas nettoyer? Alors, travail. Traîne patte. Traîne patte, tu es nettoyeur, toi, un peu. Merci, voilà, quand même la pièce à vivre. La pièce à vivre. C'est tout? Vas-y, va tailler. Ah, c'est bon. Bon, la pièce à vivre est propre. Par contre, tiens, l'électricité est en train de revenir et c'est plutôt une bonne nouvelle. Plutôt une bonne nouvelle, les amis. Très bien, les repas. Je sais pas si j'ai bien fait de diminuer train de pâte. On va le mettre à égalité entre cuisiner. Ok. Et qui d'autre a un bon talent de cuisinier? Personne, putain. Personne. Ok, bah écoute, jusque-là tout va bien. Jusque-là, ça se passe même très bien, j'ai envie de vous raconter. Ici, il n'est pas censé avoir dans les produits manufacturés, non. Hein. On n'est pas censé avoir des médicaments ici. Ressources brutes, oui, ok. Merci, hein. C'est mieux au frais quand même. Ne pérera pas. Et ici, intérieur moins 1. Donc une seule clim, vous avez vu, pour les deux, ça marche très très bien. Très très bien. Et on va pouvoir ici stocker nos pommes de terre. Nos pommes de terre. Tandis qu'une nouvelle recrue fait partie des lieux. Ah purée, ah Buffy, oh que je t'aime. Que je t'aime.
Donc ici, ça va être, j'imagine que l'autre est mort, bien sûr. Ça va pas être médical, ça va pas être pour les prisonniers et ça va être attribué à Buffy. Y a pas de raison. Y a pas de raison qu'il ait pas son petit lit. Et avant de vous laisser, les amis, quoi? Oh mon Dieu. Santé. Ah ouais, putain, vous me l'aviez dit, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Il est paraplégique. Buffy, on va faire des expériences sur toi. On a un copain paraplégique. Ok, écoute, mon petit Buffy, je te propose une expérience médicale de type opération, jambe droite en bois. Voilà les amis. Le monsieur odontophile, il est pas paraplégique, hein, il est juste, il lui faut une jambe de bois, ça va aller très bien pour lui. Ne vous inquiétez pas. Rendez-vous dans le prochain épisode avec Buffy et sa jambe de bois. Putain, le mec, il se galère à recruter un para. Allez, allez, bise, c'était Fanta.